Ce soir, notre invité principal, c'est Max Gallo. Bonsoir. Max Gallo, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir le plus grand historien français, 1m93. Je voudrais également rappeler que vous avez été le premier Max à avoir été décoré de la Légion d'honneur et à être entré à l'Académie française. Formidable leçon d'espoir pour tous les Kevin, les Morganes de notre pays, Max. Max, c'est vrai que c'est plus un prénom d'animateur sur une radio musicale que d'académicien, mais enfin bon. Puisqu'on peut. Donc Max, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre vie, de votre carrière, de vos livres, mais pas de politique française. En effet, nous sommes à la veille des élections européennes et parler de politique inciterait peut-être les gens à aller voter, ce qui serait dommage. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Charles Berling, qui nous parlera également de son premier documentaire consacré à Gustave Eiffel, l'ancêtre de sa compagne, Virginie Coupry, ex-Julien Clerc. Enfin, je sais, ça a l'air compliqué, mais il nous expliquera tout ça, voilà. La Tour Eiffel a 120 ans, vous le saviez, Max? 1889. Ouais, c'est ça. Remarquez, Régine aussi, on n'en fait pas toute une histoire. Régine aussi, on la repeint tous les 7 ans. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Toujours en P2, nous accueillerons Ted Stanger, vous connaissez? Je connais, oui. Journaliste américain installé à Paris, pour sa lettre ouverte à Barack Obama, publié chez Michalon. Incroyable phénomène Obama aux États-Unis. Vous savez que maintenant, même le chef du Ku Klux Klan est noir. Je ne sais pas si vous savez. Ça marche très, très bien. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20 h. Ce soir, dans le cadre de Adoland sur Canal+, nous recevrons Elodie Comte pour son livre « Le premier verre, alcoolique à 12 ans ». Chez Michel Lafon. Voilà où ça mène d'être fan de Christine Bravo, Max. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Max Gallo, rebonsoir. Vous avez déclaré dans le magazine Média, il y a quelques années, une émission de télévision se donnait pour but de faire connaître votre livre. Désormais, l'ambition de l'animateur est de faire de l'audimat le spectacle à remplacer le débat. Alors rassurez-vous, Max, on va parler de votre livre et on ne va pas vous demander de faire des claquettes. Il vaut mieux, il vaut mieux. Voilà. Alors le livre s'appelle Révolution française, il cartonne en librairie, 150 000 exemplaires du premier tome. Le premier tome qui s'appelle Le peuple et le roi, paru en janvier, qui va de l'avènement de Louis XVI jusqu'à sa décapitation, et déjà 90 000 exemplaires du deuxième tome, intitulé « Aux armes, citoyens », paru en février, qui va de la décapitation de Louis XVI jusqu'au coup d'État de Bonaparte. Alors on va voir pourquoi ce livre a un tel succès. D'abord la similitude, j'imagine, des situations, c'est-à-dire qu'avant la Révolution, les caisses étaient vides, les réformes étaient obligatoires, mais elles devaient se faire contre un grand nombre de catégories sociales. Il y avait aussi une grande défiance envers les politiques. Est-ce à dire que finalement les gens s'intéressent à la Révolution parce que la situation est la même? C'est vrai que c'est devenu une sorte de modèle. On construit des barricades, on parle de décapités. Vous avez des hommes politiques français qui ces derniers temps disent la situation est révolutionnaire. Ouais, ouais. Nous sommes en 1788, Mendès France le disait déjà en 1954. Nous sommes en 1788. Ouais. Comme si dans notre mémoire, il y avait un modèle. Ouais. On est un peu avec le rapport entre le pouvoir politique français et le peuple. C'est le rapport d'un très vieux couple qui n'arrive pas à changer d'habitude. Donc on se tape dessus, on rêve, on dit on va se décapiter, etc. La terreur, faisons des barricades. Le succès de votre livre est dû également au procédé narratif que vous employez. En effet, vous reconstituez les événements jour après jour. Vous suivez non seulement des acteurs célèbres de l'histoire, mais aussi des citoyens anonymes. Donc moi, ce que j'avais envie de faire entendre, c'est la vie des gens, la voix des gens. Alors, c'est vrai que la Révolution française a engendré à la fois la déclaration des droits de l'homme, à la fois la terreur. C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, en fait, pour nous. Bah oui, c'est très compliqué, parce que c'est à la fois le moment où on a des déclarations qui sont encore en usage, on a notre fameuse formule républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Quelques mois passent et vous avez, non seulement là, on coupe la tête à Louis XVI, mais on massacre dans les prisons, les massacres de septembre. Les massacres de septembre, c'est épouvantable. Hein. Épouvantable, 3 à 4 000 personnes tuées. Vous avez la violence parce que, et c'est pourquoi je porte sur la Révolution un regard froid, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que l'irruption de la violence dans une société. La civilisation, et c'est vrai pour aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, la civilisation, c'est une mince couche d'huile au-dessus d'une mer, en tempête. Si la mer commence à s'agiter, la couche d'huile disparaît et vous avez à ce moment-là la violence, la mort, la tuerie qui reparaît. Vous savez, on dit la paix existe en Europe, il n'empêche qu'un beau jour, des avions ont bombardé une ville européenne, Belgrade. Je veux dire, et il s'est passé ce qui s'est passé dans les Balkans. Alors, Max, vous avez déjà vendu 4 millions de livres. Et Claude Allègre dit de vous, Gallo, c'est l'Alexandre Dumas de notre temps. Claude Allègre est un ami, il est bienveillant. En même temps, il dit que le réchauffement climatique n'existe pas, vous devriez voir. C'est pas sûr qu'on puisse lui faire confiance. Je ne veux pas qu'on ouvre un débat sur Claude Allègre. Mais on peut l'ouvrir. Je trouve que Claude Allègre est tout à fait calomnié. C'est vrai que vous êtes un titan de l'écriture. Vous êtes, si vous vous levez à 4 h du matin, vous faites 10 000 signes par jour, c'est absolument extraordinaire. Vous avez écrit 80 romans et vous n'avez qu'un seul prix littéraire, le prix des lectrices de L. C'est bien, mais pour entrer à l'Académie française, c'est un peu léger quand même, non? Ils ont considéré que j'étais lourd par d'autres côtés. Voilà. Alors, à l'Académie française, il n'y a toujours que 4 femmes pour 40 hommes. Ça suffit pour faire à manger, pour faire le ménage. Elle est con, celle-là. Bien. Alors, elle est bonne. Oui. En tout cas, le fait que vous soyez à l'Académie française représente un magnifique espoir pour tous les titulaires d'un CAP de mécanicien ajusteur, car vous avez passé d'abord un CAP de mécanicien ajusteur. Oui, le voici, ce diplôme dont je suis fier. C'est même le seul dont je sois fier parce que... Il est dans votre appartement, il est encadré chez vous. Mais je suis quand même un produit de l'école républicaine. Tout à fait. Et il existait des passerelles. Parce qu'ayant un CAP de mécanicien ajusteur, on pouvait quand même accéder au baccalauréat technique. Passant le baccalauréat même technique, on pouvait malgré tout s'orienter vers des études de lettres et devenir ensuite un agrégé d'histoire, etc. C'est extraordinaire. Alors, votre père s'est occupé de l'électrification des grands palaces de la promenade des Anglais à Nice. Et dans ces palaces, il avait découvert le luxe. Et il est devenu communiste. Sentiment d'égalité. Oui, tout à fait. Ce qui est aux autres m'appartient. Alors, vous aussi, vous avez été communiste, mais pas comme les bourgeois qui deviennent communistes parce qu'ils ont un complexe de classe. Ensuite, vous avez été de gauche, disons, vous avez été proche de François Mitterrand. Et aujourd'hui, vous êtes proche de Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez de la politique, hein. Pas de politique, vous avez de la chance qu'on ne puisse pas parler de politique ce soir, parce qu'on aurait parlé de votre glissement vers la droite, mais bon, ça nous est interdit. Mais vous savez que je n'ai pas l'impression d'avoir glissé vers la droite, moi, mais ça... Vers Sarkozy, quand même. Vous savez, la France est atteinte, comme le monde entier, par l'Obamania. Qu'est-ce que c'est l'Obamania? C'est la reconnaissance d'un phénomène historique tout à fait spectaculaire et majeur, qu'un noir, en tout cas un sang mêlé, devient président des États-Unis. Eh bien, moi qui suis un sang mêlé, qui suis italien à 100% d'origine, je suis très heureux que le président de la République d'aujourd'hui soit à la fois de Hongrie et de Salonique. Ça me plaît, je trouve que c'est un changement capital qui prouve que le peuple français n'est pas xénophobe, même si certains ont essayé... Je ne nommerai personne d'allumer des feux en disant il n'est pas assez français. Regardez-nous, nous avons les Pyrénées derrière nous. Ou bien la Lorraine est là. Ah là, vous faites de la politique, elle est très belle. Là. Si vous dites Pyrénées, vous faites de la politique. Ah non, pourquoi? Je suis obligé de vous arrêter. Bah, si. Et nous recevons Charles Berling et Ted Stanger. Bonsoir. Alors je vous rappelle à tous les trois et je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous n'avons pas le droit de parler de politique intérieure à cause des élections européennes. Des fois que ça donne aux gens l'idée d'aller voter, ça serait con, voilà. Donc on n'en parle pas, voilà. Alors, Charles Berling, rebonsoir. Vous êtes ici dans le cadre du superbe anniversaire de la Tour Eiffel qui vient de fêter ses 120 ans. vous avez réalisé à cette occasion avec Virginie Coupry-Eiffel un magnifique reportage intitulé « Sur les traces de Gustave Eiffel ». Et la question, évidemment, que j'ai envie de vous poser pour commencer est simple. Vous êtes resté combien de temps avec Carla Bruni? Pas de politique, rapport, pas de politique française. Pas de politique intérieure. Voilà. Mais combien? Un an. Un an. Ah, elle avait droit au talent avec vous? Elle avait droit à tout. À tout. Elle vous appelait Chouchou aussi? Non. Non, mais je m'intéresse à ça. Si j'avais couché avec Bernadette Chirac, vous me poseriez les mêmes questions. Avec Ségolène, il ne s'est rien passé, Charles? Non, rien du tout. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, vous étiez intéressé à Eiffel parce que c'était l'ancêtre de votre compagne, Virginie Coupry-Eiffel. J'entendais sa famille en parler, ouais, puisque c'est leur aïeul. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris qu'on ne connaissait rien à Gustave Eiffel. Rien en tout cas, moi, je ne connaissais rien. Donc, je me suis dit, tiens, sa vie est intéressante. Et donc, on raconte sa vie... en faisant parler ses descendants. C'est marrant comme technique de drague, quand même. Je vais faire un film sur ton grand-père. C'est vrai. Sympa. Ça marche très bien. Alors, on apprend des trucs absolument insensés. D'abord, la tour aurait dû s'appeler Bennickhausen, parce que c'était le vrai nom de Eiffel. C'est vrai qu'au 19e siècle, de s'appeler par un nom allemand, c'était pas très bon pour le commerce français. Et ce qu'on apprend en regardant votre documentaire, c'est qu'en fait, la tour Eiffel n'était pas une idée à lui, en fait. C'est deux ingénieurs qui lui ont apporté l'idée. Au départ, Gustave Eiffel leur a dit, bon, continuez à travailler, puisqu'il était avisé. Puis quand il a vu que c'était intéressant, il a racheté leur brevet. Et il a mis beaucoup d'énergie pour que ça se fasse. Et beaucoup d'argent, parce qu'en fait, c'est lui qui a financé la construction en échange de l'exploitation commerciale de la tour Eiffel pendant 20 ans. En un an, après, ça a été remboursé juste par les visites. Il s'est fait du blé, alors. Ah elle est riche, Virginie, elle est riche. Ils ont encore de l'argent. Ils n'ont plus rien. Non, je ne l'aime pas pour son argent. Ah oui, d'accord. Ils n'ont plus rien. Alors, la tour Eiffel a failli être détruite, en fait, après les expositions successives. Elle n'a été conservée que pour des raisons stratégiques, parce qu'en fait, pendant la guerre, c'était utile, pendant la guerre de 14. Et pourtant, je pense que ce qui est beau, justement, c'est qu'elle est inutile. Ouais. Il a, pour moi, réalisé... au fond, une œuvre qui serait aujourd'hui qualifiée d'une œuvre contemporaine, enfin d'art contemporain majeur. Très contestée à l'époque sur le plan esthétique. Dont Victor Hugo, par exemple, n'aimait pas du tout cette tour. Oui, c'était un scandale comparable à Beaubourg, par exemple, ou à la pyramide du Louvre. Parce que c'était du fer, parce que c'était pas de la construction en pierre, d'un architecte. On vous l'a mis là, comme ça vous pouvez en parler en la voyant. Cette émission est pour moi. Je suis sûr que ça vous facilite. Merci beaucoup. Ça vous facilite le travail. Bon, on regarde à quoi ça ressemble. Bennickhausen dit Eiffel, Alexandre, Gustave. Soutiendra-t-on que c'est par leur valeur artistique que les pyramides ont si fortement frappé l'imagination des hommes? Qu'est-ce autre chose après tout que des monticules artificiels? Et pourtant, quel est le visiteur qui reste froid en leur présence? Qui n'en est pas revenu, rempli d'une irrépressible admiration? Il savait choisir, il savait décider et il savait réaliser. Moi je vous dis, moi je suis émerveillé de voir tout ce qu'il a pu faire à partir de 71 ans. Et c'est incroyable. Il aimait beaucoup la belle et bonne vie. Voilà, sur les traces de Gustave Eiffel, par Charles Berling et Virginie Coupry-Eiffel. Bon, Charles, vous avez 50 ans, est-ce que vous avez une Rolex ou est-ce que vous avez raté votre vie? Non. Bon, il a raté sa vie. On n'en dira pas plus. Pas le droit de parler de politique française ce soir. Alors, Ted Stanger, rebonsoir. Vous êtes américain, vous êtes journaliste. Vous avez été longtemps correspondant pour Newsweek. Vous avez couvert de nombreux conflits dans le monde et occupé plusieurs postes en Europe. Mais dites-vous, un seul vaut le coup de se battre. J'ai fait toutes les guerres pour avoir le bureau de Paris. Voilà. Et puis finalement, j'ai fini par me faire fiscaliser ici. Je change d'avis. Ici. Faut payer des impôts. Alors, après Newsweek, évidemment, vous décidez de rester en France. Ouais. On peut dire que votre Amérique à vous, c'est la France, quoi. Hein? En quelque sorte, oui, oui. C'est le rêve français. En quelque... Et puis vous dites surtout, ce qui est bien en France, c'est qu'avec les 35 heures, j'ai aucun problème pour trouver un partenaire de tennis le vendredi après-midi, ça c'est sûr. Surtout que je connais beaucoup d'intermittents. Alors, journaliste, mais aussi romancier et essayiste, vous avez publié la fameuse série des Sacrés, Sacrés français et puis toute la suite. Vous sortez cette année un livre qui s'appelle « Mister Président, lettre ouverte à Barack Obama » chez Michalon. C'est plus sympa d'être américain depuis l'arrivée d'Obama, hein. Oui, quoique j'aime bien vivre dans la contestation. J'aime bien quand les gens ne m'aiment pas. Ça me plaît. Donc là, d'être aimé, ça me gêne un petit peu quelque part. Alors, vous êtes complètement planté sur Obama. En janvier 2008, vous avez écrit « Obama perdra contre n'importe quel républicain. Même si les USA ne sont pas un pays raciste, Obama ne peut pas gagner dans les États du Sud. » C'est vrai que j'avais tort de ne pas prévoir la crise économique qui est déclenchée au mois de septembre en plein milieu de la campagne. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que sans la crise économique, Obama n'aurait pas été élu? Pourtant, peut-être quand on a vu arriver Tiger Woods, on aurait pu quand même se douter que les temps changeaient quand même, non? Mais il faut dire que Barack Obama est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a su gérer cette crise économique, enfin le début de la crise économique, et John McCain ne le savait pas. Donc, il mérite son succès. Alors, dans le livre que vous publiez cette année, Mister Président, lettre ouverte à Barack Obama chez Michalon, vous permettez de donner quelques conseils à Barack Obama, de le critiquer. Et c'est vrai qu'en recevant votre bouquin, Obama s'est écrié « Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais là, Ted Stanger m'a écrit... » Heureusement. Parce que parmi ces centaines de conseillers à la Maison-Blanche, il n'y en a pas un qui vit en France. Et que tout de même, les Français, ils ont quelques idées de solutions, quelques notions de ce qu'il faut faire pour avoir une société, ou comme dit Max Gallo, une civilisation à la française. Alors, dans VSD, vous avez déclaré « Barack Obama n'est pas si populaire que ça, il est mal entouré, il n'arrête pas de faire des gaffes. Vous ne serez pas étonné, Ted, qu'on fasse une interview. Quel con, cet Obama !» Tout le monde peut répondre, hein. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Obama? Moi, sa perfection. Je suis jaloux en tant que mec. Bien. Quelle est la plus grosse bourde d'Obama pour l'instant? Sans aucun doute, de prononcer qu'il va fermer Guantanamo sans avoir un projet en tête. Et maintenant, 65% des Américains ne veulent pas fermer Guantanamo. Parce qu'ils sont parano, les Américains. Ils sont comme des grands bébés. Et ils pensent que s'il y a quelques prisonniers qui sont déplacés de Guantanamo jusqu'à dans leur ville à eux, même que ce soit dans un centre de détention, ils ont peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qu'Obama aurait déjà dû faire? Un impôt à la française sur la consommation de l'essence à la pompe. Parce que c'est la seule manière de convaincre les Américains de rouler de façon plus raisonnable et de convaincre d'ailleurs les grands de Detroit, Chrysler, Ford et General Motors de faire des voitures plus économes et plus légères. Qu'est-ce qu'Obama n'arrivera pas à faire en fait? Il n'arrivera pas à changer ce libéralisme profond des États-Unis. Par exemple, un patron aux États-Unis a le droit de licencier sans prévenir tous ses employés quand il veut. Il n'y a pas d'indemnité, hein? La loi ne donne pas d'indemnité. S'il les donne, c'est sa décision. Il n'y a pas de congé payé obligatoire. Une femme enceinte ou une femme qui vient d'accoucher peut être aussi licenciée. Il a quand même nationalisé General Motors. Non, il n'a pas fait exprès. Il l'a fait parce qu'il était obligé de le faire. C'est un socialiste, malgré lui, en quelque sorte, très réticent. Mais contrairement à ce qui se passe ici, il a limité le salaire des patrons qui bénéficient des aides publiques. Oui, oui, il a essayé de le faire en tout cas. Oui, il a essayé de le faire. Il a essayé de le faire. Sur quoi Obama a-t-il menti? Ah ben, il a menti sur beaucoup de choses. Pendant la campagne électorale contre Hillary Clinton, il était contre une loi qui obligerait tous les Américains à avoir une assurance maladie. Il voulait laisser ça sur le plan de volontariat. Eh bien, maintenant, il commence à changer d'avis. Parce qu'il comprend bien que si on n'oblige pas les jeunes, par exemple, à s'assurer, la pool d'assurance est faussée. Parce que les assureurs ne veulent pas seulement des vieux qui s'assurent. Il faut aussi que les jeunes s'assurent également. Donc... En quoi Bush était-il meilleur qu'Obama? Bush, certainement, était meilleur pour avoir des règles de vie saines. Il se couchait à 9 h du soir. Et je crois qu'il ne baisait jamais avec sa femme pendant qu'il était à la Maison-Blanche. C'est une règle de vie saine. Oui, absolument. Oui. Les moines vivent longtemps, Max Gallo. Max Gallo aussi, il vit longtemps, regardez. Et pourtant, là, on est très inquiets. Quel est le vrai défaut d'Obama ? Le vrai défaut d'Obama, c'est sans aucun doute, c'est ce calcul mathématique qui est présent perpétuellement dans sa tête. Il ne se lâche pas. Ouais. À aucun moment. Il n'est vraiment pas un homme spontané. Alors, quel tic d'Obama commence à vous énerver, Ted? Il a remis le petit drapeau américain sur son costard. Ouais. Et ça, c'est un truc pour rassurer les Américains. Vous savez, pendant un moment donné, pendant la campagne, il refusait d'avoir ce petit drapeau. Et c'était un acte de courage, parce qu'un homme politique n'osait pas se montrer en public sans ça. Et maintenant, il le met. Et j'ai peur qu'il devienne cet homme politique banal, froid et calculateur, ouais, qu'il est capable pour avoir, pourquoi, un deuxième mandat. Alors, sur quoi Obama va-t-il se prendre une grosse claque? Ah, ça, c'est facile. C'est très facile. C'est marrant. C'est bien de ne pas parler de politique française pour une fois. C'est très facile. C'est le Moyen-Orient. On en parlera dans les infos de Blacko 2, puisqu'un sujet est consacré, évidemment, à Barack Obama. Pour le moment, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Selon la NASA, la plupart d'entre nous a autant de chances de mourir dans un accident d'avion que d'être tué par la chute d'une météorite. C'est ça qui est super avec les catastrophes aériennes, on se croirait au cinéma. On arrive à se mettre à la place des victimes et en même temps, on sait bien que ça risque pas de nous arriver. Eh, une chance sur 1 million que votre avion s'écrase, vous imaginez? 1 million de secondes, ça fait 11 jours. Une chance sur 1 million, c'est donc 1 seconde sur 11 jours. Dans le fond, les journalistes adorent nous parler de ce qui ne risque pas de nous arriver. Mais la vérité, c'est qu'un tiers d'entre nous va mourir d'un cancer. Vous avez une chance incroyable. Faut les comprendre, ils pourraient nous dire la vérité. Un fumeur sur 2 meurt du tabac. Mais bon, le problème avec les cancers, c'est que dès qu'on en parle, bah tout le monde zappe. Tandis que les catastrophes aériennes, bah ça fait monter l'audience. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grab. Voilà. Alors, le crash du vol 447, 3 choses à noter quand on prend un petit peu de recul. La première, c'est comme le dit Blakowski dans son sujet, avec les crashs d'avions, les médias jouent à nous faire peur. Ça, c'est le premier point. C'est un des moyens de transport le plus sûr. Le plus sûr. Il y a un truc aussi qui était extraordinaire cette semaine, c'est quand ils disent un Airbus a disparu des écrans radars. Pourquoi pas dire un Airbus est englouti en mer? C'est dire quoi, disparu? Non, parce que ça fait appel à beaucoup de mythologie, ouais, le triangle des Bermudes. Exactement. Ça veut dire quoi? Qu'il était enlevé par les extraterrestres? Pourquoi on ne dit pas il s'est englouti en mer? Ou alors quoi? C'est Lost? L'avion est sur une île? C'est mythologique, effectivement. C'est mystifiant. Je crois que ça fait appel vraiment à nos terreurs enfouies, à notre fascination pour ce qui est mystérieux, parce que l'immensité de l'océan, ouais, on insiste sur le fait qu'il n'est pas dans la zone radar. Ouais. Donc il était dans un lieu qui est encore doublement mystérieux. Oui, c'est vrai. C'est l'avion, c'est en haut. Il y a les nuages, le poteau noir. Oui, le poteau noir. Ouais. En même temps, il faut signaler que les Français en général, non seulement la presse, mais les Français tous, sont d'une certaine élégance linguistique quand il faut parler de la mort. Vous ne dites jamais cancer, vous dites longue maladie. Un chanteur qui va mourir ici apprend en Belgique qu'il a un cancer. Donc vous essayez d'éviter parfois la vérité un peu brutale. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Ça dépend laquelle. Alors, il y a un autre point qui est assez notable dans cette affaire, c'est le cirque médiatique et politique. Les flashs spéciaux où on voit des envoyés spéciaux qui sont à Roissy, qui sont à Rio, qui sont à Dakar. Les mecs disent, on n'a rien à dire, évidemment, qu'est-ce qu'ils racontent. La presse est désemparée devant une telle catastrophe parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va savoir d'ici 5 ou 10 ans ce qui s'est vraiment passé. Sinon, entre-temps, il faut remplir des pages. Voilà. Et il y a du temps vide sur le petit écran. Et pourtant, un ferry-boat avec 600 Indonésiens qui disparaît dans les droits de Malacca, on sait très bien qu'on n'en parle pas. Non, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est la cérémonie à Notre-Dame de Paris. Pourquoi dans une cathédrale? Pourquoi pas à l'Assemblée nationale? La France est une république laïque. Pourquoi tout le monde se retrouve dans une église, Max? La mort, le sacré, tout ça... D'accord, mais les morts, ils n'étaient peut-être pas tous catholiques ou religieux. Non, mais les représentants de toutes les religions, ne soyez pas un intégriste laïque. S'ils étaient athées, les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça se passe à Notre-Dame de Paris? C'est le moment où il y a des lieux qui sont le réceptacle de nos espérances ou de nos désespoirs. Et les églises, la cathédrale Notre-Dame est un de ces lieux-là. On peut s'y retrouver, quelle que soit notre confession, notre athéisme, notre agnosticisme. Oui, je crois. Par la force de l'habitude. Oui. Moi, par exemple, je suis athée. J'aimerais bien ne pas être enterré dans une église. Ah oui, bon, personne ne vous proposera d'être enterré dans une église. Si, je vous dis, il y a une inertie. Ah, oui. Il y a une solution qui n'a pas été évoquée, c'est que Jean-Luc Delarue était présent dans l'avion. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Toutes les stars américaines en tournée mondiale utilisent la même ficelle pour chauffer la salle, toujours dire bonjour dans la langue du pays. Assalamu alaikum. En plus, Assalam Alaikum, ça veut dire que la paix soit avec toi. Ça tombe bien, parce qu'Obama, il est contre la violence. Nous partageons tous une aspiration commune, vivre dans la paix et la sécurité. Et attention, hein, c'est pas des paroles en l'air. D'ici 2012, il va retirer ses troupes d'Irak. Comme ça, il pourra envoyer plus de soldats en Afghanistan, bah justement pour lutter contre la violence. Pour vous dire s'il est sympa, Obama, son rêve secret, c'est qu'un jour, Jésus, Moïse et Mohamed se donnent la main pour prier ensemble. Non mais quel copieur ce Barack! Il avait déjà piqué les méthodes de campagne de Ségolène, voilà que maintenant pour la politique internationale, il a tout piqué à Mireille Mathieu. Ted Stanger, vous avez déclaré « La politique vis-à-vis du Moyen-Orient ne changera pas. Aucun des candidats n'osera affronter Israël. » Pourtant, Obama insiste quand même pour la création d'un État palestinien et demande le gel de la colonisation, croissance démographique incluse. Je n'ai pas assez de doigts sur cette main gauche pour compter le nombre de fois où un président américain a demandé solennellement à Israël d'arrêter les colonies. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est presque une formule. Et d'ailleurs, on a prévenu les Israéliens au début qu'on allait le faire, par politesse et parce que ce sont des alliés. Ce que vous nous dites là, ce soir, en fait, c'est que quand il fait la leçon à Netanyahou, qui se dispute avec Netanyahou, Netanyahou lui dit, attendez, il y avait un arrangement entre Bush et Ariel Sharon, comme quoi vous nous emmerderiez jamais sur les colonies. Et lui, malgré tout, il le dit. Vous pensez que tout ça, c'est du cinéma? Ah oui, c'est du cinéma. Lorsque Benjamin Netanyahu est venu à Washington pour parler avec Barack Obama, c'est là qu'on s'est arrangé pour dire, nous allons faire ceci, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-nous ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, dans son discours, Obama a déclaré, notre lien à Israël est inattaquable. Il l'a dit au Caire, cette semaine. Il a dit au Caire, absolument. Mais en même temps... il y a un bras de fer qui se fait. Il voudrait croire, ou il veut nous faire croire, qu'en disant les choses véritablement, il faut 2 États palestiniens, il est allé plus loin, il faut arrêter les colonies, mais il est allé plus loin, il faut débloquer le blocus de Gaza. Ouais. Donc il est allé très loin dans les demandes. Et il pense au fond que si le discours est satisfaisant, il a joué sur la convergence des religions, le Talmud, le Coran, la Bible. L'union des croyants. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit contre l'idée du choc de civilisation, et tant mieux. Mais ça ne suffit pas. Alors il gagne le bras de fer médiatique, et c'est sa force, et ça compte dans la décision politique, mais ça ne suffit pas. Alors, et là, on va voir s'il peut aller au-delà, en sachant en effet que, pour les Israéliens, pour moi, leur philosophie politique, elle est très simple. Ils viennent d'une très longue histoire, ils ont subi ce que nous savons, l'extermination. Pour eux, un jour de gagner, c'est l'éternité. Voilà. Quand on leur parle de la croissance démographique du monde arabe, etc., en disant « vous serez submergés », peut-être, mais un jour de gagner, un jour de vie gagnée en sécurité, c'est notre éternité. Donc vous n'y croyez pas en... Disons que ce discours du Caire, il étend des tapis moelleux, de beaux tapis que nous regardons, et il va inviter les gens à s'asseoir. Mais après, ce que diront les gens assis, c'est un autre débat. Au fond, la qualité des discours de tous les hommes politiques, car les hommes d'État ont des discours qui sont fabriqués minutieusement, refaits, réécrits avec des centaines d'experts. La qualité des discours est inversement proportionnelle à la maîtrise de la réalité. C'est-à-dire le discours est d'autant plus beau, d'autant plus parfait que la prise sur le réel est d'autant plus malheureusement. On restera là-dessus. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. Que faisait Mirek Topolanek à poil dans le jardin de Berlusconi? Comment ça, vous savez pas qui c'est Mirek? Mais enfin, Mirek Topolanek, le premier ministre tchèque entre septembre 2006 et mai 2009. Eh ben, figurez-vous qu'un paparazzi l'a photographié les fesses à l'air dans le jardin de Berlusconi. L'avocat de Berlus s'est même appuyé sur sa présence pour faire interdire la publication de 700 photos sur lesquelles Mirek n'est pas le seul à être tout nu. Et oui, on voit aussi plein de jolies jeunes filles, les seins à l'air dans le jardin de la villa, et on n'est même pas sûr qu'elles soient toutes majeures. Alors reste une question, que faisait Mirek Topolanek à poil chez Berlusconi avec toutes ces jeunes filles à moitié nues dans le jardin? Bah, ça paraît évident, il devait certainement bosser sur les grands dossiers internationaux. Ah, la politique, quel sacerdoce! Bravo Blacko, bravo Julien. Voilà, alors là c'est énorme. Papounet qui fait des partouzes avec une mineure dans sa propriété en Sardaigne, qui fait amener tous les invités par avion militaire. Enfin, c'est extraordinaire, là. C'est la romantique. Non, je crois que... En tout cas, ça va être un test très intéressant parce que il y a un grand journal italien que je lis chaque jour qui s'appelle La République, qui est le journal de gauche italien, qui consacre chaque jour 4 à 5 pages à cette affaire. Et c'est repris dans d'autres journaux, il y a un débat. Et malgré ça, jusqu'à présent, la popularité de Berlusconi, c'est plus de 70% dans l'opinion italienne. Ah ouais. Et il est candidat à la tête de chacune des listes aux élections européennes. Ouais. Dans toutes les régions, le numéro 1, c'est Silvio Berlusconi. Ouais. Alors on va voir, c'est intéressant à voir si cette attaque sérieuse, cette fois-ci, qui remet en cause son comportement à l'égard de mineurs... On se demandait pourquoi il faisait des UV et des implants, c'était pas pour coucher avec sa femme en même temps. J'ai passé 4 années à Rome, et si la politique française est parfois difficile pour l'américain, alors la politique italienne, elle est complètement insondable. D'accord, oui. Vous vous avouez battu, oui. Et pourtant, prenez garde, Italie, c'est le laboratoire des formes politiques modernes. Ils ont inventé le fascisme, inventé le concept d'État totalitaire. Ils ont eu le plus grand parti communiste d'Occident. Ils ont fait la déstalinisation la plus rapide. Il n'y a plus, le mot communiste n'existe plus en Italie. Absolument. Ils ont inventé ce miracle de voir un Premier ministre qui est en même temps propriétaire de toutes les chaînes de télévision, ce qui est une avancée considérable. Ne regardez pas l'Italie avec un air de condescendance. Ce qui arrive là-bas, soit est arrivé chez nous, soit arrivera demain. Très bien. C'est très, très, très bien, très, très juste, hein? Très terrible. Ah oui, ça doit vous... Ouais. Je suis citoyen européen, je m'intéresse à la politique, et la politique à ce niveau-là, je suis atterré... Ce qui est atterrant, c'est comment gouverner des sociétés autrement que par le populisme, le contrôle des médias, etc. C'est ça la vraie question. Mais on n'a pas le droit de parler de politique intérieure. Donc, ce qu'on dit là, c'est de la politique... Non, je rigole. Non, politique italienne. Politique italienne, je précise au CSA que c'est la politique italienne. Italienne. Je croyais entendre parler de chez nous. Au revoir, Charles. Merci pour votre documentaire, dont je rappelle le titre, Sur les traces de Gustave Eiffel. C'est en DVD. Voilà, comme vous le savez, en P3. Nous accueillons notre invité du samedi 20 h, ce soir dans le cadre d'Adoland sur Canal+, Elodie Comte. Bonsoir. Pour son livre Témoignage, le premier verre alcoolique à 12 ans chez Michel Lafon, toujours en compagnie de Max Gallo et de Ted Stanger. Voilà. Elodie, bonsoir. Vous publiez Le premier verre, alcoolique à 12 ans chez Michel Lafon, 12 ans. Oui. Vous vouliez faire Amy Winehouse comme métier quand vous, quand vous seriez grande. C'est un livre bouleversant qui raconte votre longue descente aux enfers. C'est vrai qu'un verre, ça va, mais 12 483 verres, bonjour les dégâts quand même. Oui. On en reparlera à 20 h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine million. Et on commence avec la une de François. Regardez, c'était lundi dernier. La 380 arrive. 2 heures plus tard, on apprenait que l'A330, lui, n'arriverait plus. Ouais. Ça s'appelle avoir du nez. Ouais. Dans la liste des couvertures de bon goût, un grand bravo aux Parisiens qui publie 30 photos des victimes du crash. Ils n'ont pas mis la photo du bébé. C'est parfois des petites bites aux Parisiens. Ouais. Et puis on vient d'apprendre disparition de Marcel Béliveau, qui était parmi les 228 passagers du Rio-Paris. Marcel était assis en classe affaires. Non, c'est pas vrai. Surprise, surprise. Ah, Marcel est mort d'un cancer à Montréal. Surprise, surprise. Un sacré Marcel. Après le crash du Rio-Paris, prudence chez Ryanair. Dorénavant, la compagnie propose une nouvelle promo, des billets à 5 € l'aller simple. À ce prix-là, on ne garantit plus le retour. Le magazine Le Point publie une photo de Bernard Madoff. En même temps, confier ses économies à un type qui porte un chapeau aussi con, faut pas se plaindre après. Dans les Yvelines, les chiens de David Douillet ont bouffé la chatte de son voisin qui est morte, s'il vous plaît, qui est morte suite à ses blessures. Pourquoi on en parle? Quand c'est David Douillet qui bouffe une chatte, personne ne dit rien. En 2011, la France organisera la Coupe du Monde de foot des SDF. On devrait prendre Domenech comme entraîneur. Un type qui est à la rue pour coacher des SDF, c'est pas mal. Lundi de la Pentecôte, rien. Rien. J'ai aucune vanne, pas de photo, rien. Je refuse de travailler pour les vieux. Déclaration d'Isabelle Adjani. J'ai pris le risque de faire la journée de la jupe avec un gros cul et des gros joues. Qu'est-ce que ça pouvait faire puisque je jouais une femme ordinaire? Donc toutes les femmes ordinaires qui nous regardent, sachez-le, vous avez un gros cul et des gros joues. France Télévisions annonce 900 départs volontaires à la retraite. On va voir la tête du premier volontaire. C'est bien qu'il prenne la décision de partir de lui-même. La Cour de cassation a tranché. Participer à l'île de la tentation est un boulot à plein temps. Donc, être vulgaire, mettre des strings, être entièrement refaite, c'est un boulot à plein temps. Dorénavant, toutes les cagoles de la Croisette peuvent réclamer un chèque à TF1. Raphaël Nadal affirme que Richard Gasquet n'a jamais pris de cocaïne. Vous embrassez une fille qui en a pris et ça peut détruire une carrière. Ah. Si ça se trouve, la fille qui a embrassé Gasquet, c'est aussi une victime. Avant, elle avait roulé une pelle à Frédéric Becbédé qui, lui, avait bu dans le verre de Doc Gynéco. Allez savoir qui a commencé. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et en attendant, sur le site Canal+.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20 h. Bonsoir. Bonsoir. Alors Elodie, au départ, tout va bien. Votre père est couvreur, votre mère femme de ménage, des parents soudés. Vous entendez bien avec vos 2 sœurs. Vous vivez tous dans une jolie maison près de Châteaudun. Et tout se complique lors de votre entrée en 6e. C'est un véritable traumatisme. D'abord parce que vous n'aimez pas Châteaudun. C'est le collège que j'aime pas. Ouais. C'est un vieux bâtiment. Et quoi, c'est préfabriqué, c'est juste des carrés. Ça m'a traumatisée, tout simplement. Manger à la cantine, il y avait ça, prendre le quart, changement de prof. Donc c'est un traumatisme pour vous, ce qui vous plonge dans l'ennui, dans l'insolence et dans l'agressivité, en fait. Et c'est là que, pour échapper à ça, vous commencez à boire. On va dire c'est pour prendre une certaine assurance. Et après, avec l'alcool, on fait tout. Alors vous commencez à boire, le premier jour, vous rentrez chez vous et votre mère note que vous êtes un petit peu ivre. Et là, vous prétextez une gastro, vous commencez à mentir à votre mère. 3 mois plus tard, vous commencez à trouver que la bière est écœurante et vous passez à la vodka, au whisky, au pastis. Vous essayez des alcools plus forts. J'ai tout essayé comme alcool. Alors, évidemment, il faut payer tout ça parce que ça coûte cher, l'alcool. Donc, vous commencez à utiliser la carte bleue de votre mère, à voler un peu de liquide à droite et à gauche. Et alors, ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que vous planquez des bouteilles sur votre parcours quotidien pour pouvoir boire quand vous voulez. Oui. Alors, dans le faux plafond des WC. Hein, ouais, au niveau de chez les profs, parce que, notamment, comme ça, ils n'auraient pas cherché trop à comprendre. C'était dans les toilettes des profs. Ouais. Ils auraient cru que c'était un prof, pas un gamin de 12 ans. Et alors le pire, c'est que dans votre sac à l'école, vous avez une bouteille avec une paille assez longue, vous avez fait un trou dans le bouchon, et dès que le prof a le dos tourné... C'est très facile à faire, et ça prend quoi, 10 minutes, un quart d'heure à fabriquer la paille. Donc on va chez McDo, hein, on pique des pailles, on les raccorde, on met du scotch, et puis voilà. Ouais, vous pompez une petite rasade, quoi. Voilà, encore petite... À la fin de la journée, ça faisait une bouteille. À 12 ans. Ce qui est effarant dans votre histoire, Elodie, c'est que les adultes ne se rendent compte de rien. Faut dire que vous mettez toute votre intelligence, non pas dans vos études, mais dans les moyens de tromper les adultes, en fait. Quand je rentrais chez moi, je savais très bien que j'avais 20 minutes pile pour prendre ma douche, me rhabiller, me sécher les cheveux, me parfumer, manger le plus possible de chewing-gum, me brosser les dents pendant 5 minutes. C'était chronométré, parce que je savais très bien qu'après, ma mère, elle allait arriver. Et votre mère voit rien, en fait? Mon père, ma mère, les profs, mes sœurs... Personne ne voit rien. À part moi. Alors, Elodie vient s'ajouter à tout ça une tentative de viol. Ça s'est passé à 150 mètres de chez moi, par un voisin qui, à l'époque, avait 50 ans. Vous imaginez un petit peu le traumatisme, hein. Pourtant, il connaissait mon père. Il m'a attrapé, il m'a agressé. J'ai pas porté plainte tout de suite. Mon alcoolisme s'est empiré suite à ça. Et par la suite, j'ai fumé du cannabis. Je le fumais déjà, hein. Mais je fumais 20 par jour à cette époque-là déjà. Ouais. Donc je fumais. Après, j'ai testé toutes les drogues, quoi. Alors, effectivement, vous ne parlez pas de cette tentative de viol à vos parents parce que vous dites, mon père, si je lui raconte ça, il va aller tuer le mec, quoi. Ah bah oui, c'est... C'est plus que sûr et certain, il n'y a pas encore longtemps. Le gars, il a eu le malheur de me regarder, est-ce qu'il n'est toujours pas en prison? Limite de la chose, si mon père, il n'a pas sauté dessus, quoi. Ouais. Et là, c'est extraordinaire, je dois dire, parce que à l'époque, vous devez avoir 13-14 ans, vous franchissez un stade dans l'alcoolisme extrêmement grave, vous commencez à vous injecter de l'alcool dans les veines. Oui. C'est-à-dire que vous faites 4 intraveineuses par jour avec de la vodka, du whisky et du pastis. Oui, c'est pas 4, c'est 8. Puis au bout d'un certain temps, c'est 30 bières, une bouteille de vodka, sans compter les à côté. Quand je parle des à côté, ça pouvait être 5-6 pastis et 3-4 whisky par jour, en plus. Ouais. Mais mon corps s'était tellement habitué que limite de la chose, c'est quand j'allais avoir 2-3 grammes, j'allais marcher un peu de travers. Mais j'étais pas en coma éthylique. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « ouais, ça se peut pas ». Et voilà, comme vous avez demandé à une personne non malade alcoolique de boire une bouteille de vodka, une journée, elle va pas y arriver, elle va tomber en coma éthylique. Une personne qui est alcoolique et qui boit une bouteille de vodka, voire plus, c'est pratiquement normal pour elle. Dites-moi, Elodie, quand vous faites ces piqûres d'alcool pur, est-ce que vous n'avez pas peur déjà du sida? Mais les gens avec qui vous échangiez ces seringues... Il y en avait, ils étaient pires que moi. Je vais vous dire un truc, il y en avait, ils ressemblaient plus à des cadavres que à des êtres humains. Moi, j'étais pas mieux. Si ça faisait 2-3 jours qu'elle était là, je prenais la seringue, je la nettoyais, je la cramais un peu avec mon briquet, et j'allais me piquer avec. Le début de la fin du cauchemar, c'est quand on vous propose un stage dans une boîte où bosse ce bûcheron qui avait fait cette tentative de viol sur vous Et là, vous commencez à parler et vous acceptez de porter plainte. Vos parents, quand ils ont pris conscience que leur enfant de 14 ans était alcoolique, au dernier degré, c'est le cas de le dire, ils l'ont vécu comment? Bah déjà, ma mère, elle est tombée en dépression suite à ça, quand même. Ouais. Bon, il y a eu le problème de l'agression, puis plus le problème au niveau de l'alcool. Mon père, lui, là, ça plus c'était... Bah, après, au niveau des agressions, tout ça, quoi, limite de la chose, si mon père me laissait aller chercher le courrier, quoi. Il m'a surprotégée, quoi. Alors, évidemment, le sevrage a été terrible, parce qu'au début, quand vous arrêtez l'alcool, vu les doses que vous injectiez, vous tremblez, vous n'arrivez pas à tenir votre bol de café. Ouais, enfin. Je buvais avec une paille. Ouais. Ce qui est terrible, c'est qu'à un moment, après 20 jours de cure, vous prenez une biture, donc tout ça est foutu en l'air, il faut recommencer. Enfin, c'est les problèmes de la décroche, quoi. D'ailleurs, même pendant ma cure, hein, j'ai bu. Ouais. Donc, non, j'ai tellement souffert pendant cette cure que, honnêtement, j'ai pas voulu en refaire une deuxième. Parce qu'imaginez-vous, changer 4 fois de t-shirt, pantalon pareil... Les aides-soignantes, ils passaient changer les draps, je sais pas, 5-6 fois par jour. Ouais. À cause de, bah, du manque. Non, c'est dur, quoi. Et aujourd'hui, alors, vous buvez pas? Non, du tout. Ça va faire 4 ans. Vous êtes fiers de vous, alors? On va dire le passé, je regrette pas mon passé. Hein. Ouais. Ça, faut le savoir. C'est mon passé. Vous êtes fiers de vous en être sortis? Oui, je suis fière. Je sais pas combien il y a d'ados en France qui ont arrêté l'alcool, qui ont fait une cure et qui ont réussi à s'en sortir, mais ceux qui sont... dans la même position que moi, bah, je tiens aussi à les féliciter, quoi, même s'ils n'ont pas fait de livre. Non, parce qu'en ce moment, il y a un phénomène qui est le binge drinking, où les mômes se retrouvent dans des bars pour se bourrer la gueule en un quart d'heure, en une demi-heure. C'est pas encore tout à fait dépassé, mais ça va bientôt être dépassé par une nouvelle mode. C'est gasoil, donc de l'essence, hein, du pastis, de la cocaïne, ils mélangent et ils boivent tout. C'est terrible, non ? L'histoire est tout à fait impressionnante et effrayante. Même. Le livre est bouleversant et vraiment, il faudrait le faire lire dans les écoles parce que ça éviterait aux mômes de se taper de l'alcool. Vous en pensez quoi, Ted? Mais moi, je vois ça en tant qu'Américain. C'est vrai que chez nous, l'alcool, c'est le démon, quoi, pour commencer. Moi, j'étais élevé dans un état, l'Ohio, qui n'est pas exactement Paris. Hein. Et l'alcool, ça se faisait vraiment dans des lieux qui s'appellent des bars, où il y avait des gens malhonnêtes, malpropres, et ainsi de suite, qui buvaient. Donc, il y avait une image très néfaste de l'alcool. J'arrive en France et je vois, dans des cafés, il y a des gamins à côté, des gens qui boivent de l'alcool sérieusement. Je ne vois pas comment les Français arrivent à marier ces deux mondes-là. Ouais. Parce que chez nous, les deux ne se marient pas. Une bouteille de champomy, alors, pour fêter ça, oui. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, c'était Salut les terriens avec Max Gallo. Révolution française, merci. Chez XO, Charles Berling, sur les traces de Gustave Eiffel, son DVD. Ted Stanger, merci. Mister Président, lettre couverte à Barack Obama, chez Michalon. Elodie Comte, merci. Le premier verre, alcoolique à 12 ans, chez Michel Lafon. Je vous laisse avec la finale du Top 14. Clermont-Perpignan, voilà. Sabri est content. Top 14. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.